La reconnaissance, elle est très très importante. C'est la raison pourquoi la Torah est dit, il faut respecter ton père et ta mère, tout le bien que le père et la mère ils ont fait pour nous. Et la reconnaissance des parents, c'est pareil que dans leur vie, même après leur mort. Parce que si nous on est vivants, c'est grâce à eux. Et c'est la raison pourquoi la fête de Pessah, elle s'appelle Pessah. Pessah, c'est du verbe Pessah. La bouche qu'elle parle. La bouche qui dit merci. Merci Hachem. On était des esclaves, on n'était rien du tout. Et regarde, tu nous as rendu un peuple, un pays. Tu nous as donné la Torah, tu nous as choisi. Merci Hachem. Chaque seconde qu'on respire, c'est un merci. On marche, merci Hachem. On entend, merci Hachem. On sent, merci Hachem. On a les réflexes, merci Hachem. On mange, on avale, merci Hachem. On dort et on se réveille, merci Hachem. Est-ce qu'on fait ça, mes amis? Le matin, dès qu'on se réveille, la première chose qu'on dit, Modé ani lefanecha, merci Hachem que tu m'as ressuscité ce matin, que tu m'as réveillé ce matin. Toute la Torah que Rabbi Valnes a étudiée, il a étudié chez Aher. C'est vrai, il est devenu Racha plus tard, mais c'est grâce à lui que Rabbi Valnes est devenu Rabbi Valnes. Donc c'est la raison pourquoi la fille, elle dit à Rabbeinu HaKadosh, Rabbeinu, ne vois pas le mal qu'il a fait. Regarde le bien qu'il a fait. Il a étudié la Torah. Il a enseigné Rabbi Mehannes. Et Rabbi Mehannes, grâce à lui, toi, tu es un grand rabbin.